Salut à tous, aujourd'hui une petite surprise, tiens, une petite vidéo loup-garou pas forcément prévue. Mais bon, j'avais envie de vous faire plaisir tu vois, la passion de faire des vidéos, c'est complètement faux. Je fais des vidéos que pour les abonnés, en plus vous êtes 40% à regarder sans être abonné. Oh, bon sans rire, aujourd'hui je ressors une partie qui commence un petit peu à remonter. Elle date d'il y a plusieurs semaines, du coup je suppose que pas mal d'entre vous auront du coup oublié cette game. Et c'était le but, si vous ne connaissez pas cette partie, vous risquez d'être totalement perdu. Et je vous le dis, c'est le but. Du coup accrochez-vous parce qu'on est parti pour un DLG les plus complexes en termes de compréhension de partie. On y retrouve de l'infiltration, des mensonges, de la trahison et peut-être même des amitiés perdues. Et comme j'adore faire ça, il s'agit à nouveau dans LG interactif. C'est-à-dire que je vous demanderai, pour ceux qui souhaitent jouer le jeu et prendre part aussi à cette partie mouvementée, de me donner votre avis, vos soupçons, etc. en cours de partie. Nous verrons donc si nous avions par la suite les mêmes avis ou non. Car je vous rassure, moi aussi j'étais totalement perdu. Et c'est ça qui fait le charme de cette partie. Nous avons déjà eu une partie dans ce style-là dans le passé. Il s'agissait de cette vidéo-ci. Et pour ceux qui l'ont vu à l'époque, vous savez qu'il s'agit d'une de mes meilleures games de loup-garou. Justement parce qu'on n'y comprend rien. Parce que c'est le principe du jeu même. Et aujourd'hui, on est reparti. Le principe ne change pas, un début de game classique à la Minecraft, environ 60 minutes de minage pour sortir avec le meilleur stuff possible, un rôle attribué à 20 minutes, ce qui nous laisse potentiellement 40 minutes pour établir une stratégie de jeu en fonction de notre camp, gentil, méchant ou rôle solo. Et pour ceux qui découvriraient nos loups-garous à nous, déjà bienvenue, vous avez masse de vidéos à regarder, sachez que la liste de tous les rôles est en description, présente également dans le scoreboard à droite. Et si vous regardez bien, il y a quelque chose qu'on remarque de suite avec cette liste, c'est la présence de la prêtresse. Il s'agit d'un rôle qui vient extrêmement complexifier la game, du fait qu'on l'ait encore très peu joué en partie. Ce rôle est une voyante V2, il a le pouvoir de pouvoir observer une fois par épisode le rôle d'un joueur de son choix. Le souci c'est qu'en faisant ça, il perd 3 cœurs définitivement jusqu'à la fin de la partie. A lui de choisir donc s'il souhaite sacrifier sa propre vie pour vérifier une information ou non. De plus, ce rôle impactera toute la partie des autres joueurs. Certaines informations seront brouillées ou non à la mort des joueurs, ce qui donne la possibilité de créer des stratégies pour les méchants. Les loups auront 20% de chance de voir le rôle d'un mort si la prêtresse est encore en vie. Les villageois eux auront 80% de chance d'obtenir cette information. Mais si jamais la prêtresse vient à mourir, les pourcentages seront inversés. 80% pour les loups, 20% pour les villageois. Un rôle qui peut changer toute la partie à n'importe quel moment, d'autant plus que les rôles solo qui doivent éliminer tous les autres joueurs, eux ne sont pas affectés par la prêtresse. Ils verront donc systématiquement les rôles des morts, et ils pourront donc plus facilement se faire passer pour des villageois. Les rôles. Open for a surprise. Oh, on est à résistance. On est ancien voleur. On est ancien. Je suis donc ancien, gentil, villageois. Un rôle plutôt cool car il dispose d'une deuxième chance s'il vient à se faire tuer par un loup. Au début, je vous avoue que j'aimais pas du tout ce rôle. Mais aujourd'hui, plus je le joue en game, plus je l'apprécie. Car c'est justement un rôle qui permet de prendre du risque, de traîner avec des gens que l'on soupçonne. Et pourquoi pas même de les pousser à nous attaquer. Puisque si des loups nous tuent, forcément ils seront cramés derrière. De plus, je dispose d'un effet résistance avec ce rôle, ce qui me permettra de pouvoir bien résister. Ce qui sera une bien grande aide lors des combats, notamment contre les loups qui ont l'effet force la nuit, ou même l'assassin qui a force le jour. Et donc, pour rentabiliser un maximum ce pouvoir, il me faudra un excellent stuff. Et c'est ce que nous allons essayer d'obtenir en 60 minutes de jeu. Bon, il y a également la petite prêtresse du coup, sachant qu'il y a toujours le rôle, le couple aléatoire là qui arrive. Drop la carte. Allez, j'ai pas envie d'être ancien, j'ai envie d'être sœur. Allez. Oh ça fait... Par contre, en vrai, ça fait flipper de ouf, gros, genre. Oh. Si jamais la prêtresse meurt... Ouh, ça met bien ça. Ça part sur la T4 Diams là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeu est clairement de notre côté. Déjà deux donjons qui m'ont gentiment offert un arc et surtout un très bon livre. Le flemme étant interdit, je vais privilégier le côté sharpness du livre. Objectif, sharpness 4. Non mais c'est un truc de ouf, attendez. C'est incroyable. Ce qui est en train de se passer. J'ai ma limite, je crois, non? Hop, c'est bon, on a la T4. Va falloir beaucoup d'XP par contre. Hein. On va faire ça et ça. Deux pièces P2 déjà pour commencer. On va faire la T3 direct. On va pas gaspiller d'XP, on continue de suite. Je monte très rapidement en stuff. 20 minutes après l'annonce des rôles, mon épée était déjà quasiment prête. Et j'avais déjà 3 pièces enchantées protection 2. Le seul souci que j'avais sur le coup, c'était l'or. C'était le point faible de ce minage. Et cela ne va pas forcément s'améliorer par la suite. Je déciderai alors de sortir plus tôt que prévu. Avec peu de pommes, je me suis dit qu'il fallait mieux essayer de cramer des loups assez vite pour récupérer du stuff sur eux justement. J'ai juste pris le temps de finir mon stuff, full protection 2, sharpness 4, un petit arc au cas où, 5 pommes, ça sera bien suffisant pour le début. Et il n'allait pas falloir perdre de temps. Bon les 0-0 c'est ouf. Par là-bas, ça tombe bien. Oh non, putain, il y a infiltration là-bas. Vous avez vu des gens ou pas du tout? Non, c'est le seul que je croise. Ah ouais, super. Et on est les seuls au 0-0, vous êtes en train de me dire là? Oui. Bah super, franchement, super quoi. J'arrive donc au 0-0 à 56 minutes de jeu. Et étrangement, je me sens pas super serein. Croiser deux personnes ensemble au 0-0 tôt comme ça, qui n'ont pas l'air d'avoir vraiment peur, en tout cas, elles ne le montrent pas, moi, ça me met pas du tout en confiance. Et puis, autre chose d'assez étrange pour le coup, il n'y a personne d'autre. Nous sommes pourtant 22 joueurs dans la game, mais personne n'est au 0-0 à 1 heure de jeu. Alors que normalement, tout le monde est quasiment déjà présent à ce moment-là. Y'a Narco là-bas. Salut mec. Putain, et je suis dehors avant l'épisode 3. Je suis au 0-0 avant l'épisode 3, vous imaginez un peu? Pièce. Non, commence pas avec Jump, c'est bon là, stop. Okay. S'il te plaît, si tu pouvais mettre le citoyen, ça m'arrangerait grandement. Bon, quelqu'un peut me tuer vite là, que j'ai faim là. Faut que j'aille bouffer là. Bah, s'il te plaît. Toi, je sens que t'as envie de me tuer, toi. Bah, non, Bichard, toi, je sens que Bichard, il a envie de me tuer depuis tout à l'heure là. Moi j'ai envie de te sauter. Hein. Vas-y, saute-moi, gros. Vas-y, viens, on se tape. Non, je rigole. C'est quoi votre rôle? Ah, je suis assassin, il l'a dit, gros. Assassin, et toi? Moi, je suis simple villageois assassin. On est entre potes, c'est bon, on s'en fout. Je suis ange gardien.
Ok. De qui? Tu peux protéger qui? Ça, je peux pas vous le dire, j'ai déjà un peu dévo. Ah, j'avoue, non, mais un petit non, peu. On protège avec toi. Comme peu de gens arrivaient au centre et qu'on n'arrivait pas à avoir des infos, j'ai décidé de m'éloigner un peu avec les seuls qui étaient là. Et justement, Gap et Bichard venaient d'arriver. En plus, de nuit, je me suis dit, s'ils sont loups, je vais rapidement me faire tuer. C'est parfait, ça lancera la game. Mais aucun ne semblait m'attaquer, alors que c'était l'occasion idéale pour le coup. Donc déjà, les deux ne sont peut-être pas loups. En tout cas, pas les deux ensemble, quoi. Surtout Gap qui parle d'ange gardien en trollant. Mais si ça se trouve, il cherche déjà à nous bait. Bichard, lui, parlait de Salvateur. Encore une fois en rigolant. Salvateur. Même le mettre le jour. Et on saute. Le pire, c'est que c'est possible. Le pire, c'est que c'est possible en vrai. Je suis en train de me dire, je sais pas s'il troll ou pas, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas en vrai. Hein, Vali, il est PF. Là, j'ai 22 caps, tu vois. Ouais, il a fait le mongol comme la dernière fois. Oh non, c'est pas possible. Comment qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est pas possible. Il s'est déstuff devant tout nu sous les arbres. Nagato serait donc petite fille. Il aurait été aperçu sans stuff sous les arbres et sans son effet d'invisibilité. Au moins, ça me rassure dans le sens où la game commence à avancer et les rôles qui ont la possibilité d'avoir des infos cherchent à en obtenir. On devrait donc en voir les effets très bientôt. C'est incroyable. Attends, bon, pourquoi Rastump a pris les votes? Vous savez pas qui a voté Rastump? Le nobody qui a voté random apparemment. Pour quelle raison? Pour aucune raison du coup? Random, alors qu'on pensait qu'on aurait pu. En fait, c'est pas suspect. Pas des votes random de soit c'est les LG qui ont voté Restump parce qu'elle Restump est gentille, soit c'est le couple parce que c'est quand même deux votes. Non, mais Nova il a dit que c'était lui. Parce en que fait, toi, quand il que... a pris les votes, toi, Nanox, t'as direct dit. C'est quoi que t'as dit sur le coup? Je sais pas si c'était du troll ou quoi, mais t'as pas dit genre Restump il est sûrement méchant ou je sais pas quoi. Justement, Restump est sûrement un peu méchant parce qu'en général, les mecs qui prennent les votes au premier jour. Ok, donc j'ai mal compris. Ouais, quand c'est plusieurs votes. Tant que les votes sont pas random. Après, on peut aussi partir du principe que le couple, il y a un méchant qui est dedans et qu'ils veulent voter un LG parce que la team est trop forte ou je sais pas quoi, tu vois. Du coup, en vrai, le problème, c'est arriver à aucune conclusion. Le truc c'est que j'ai pas mis le montreur donc il y aura pas les gros, par contre il y a un renard donc faudrait que le renard Nagato il m'avait dit que t'avais peur de lui quand tu l'as croisé. Moi? Toi? Bah ouais. Non. Pourquoi? Je sais pas, apparemment tu te serais éloigné. Bah oui mais bon ils étaient que deux gros, j'avais envie d'aller voir ça veut d'autres personnes. Juste qu'il est sorti à 50 minutes avec genre casque et pantalon je crois, ou je sais plus c'est quoi, casque et bottes peut-être. Il était en premier et bon bah, j'allais pas rester à côté, genre je suis arrivé de nuit, il y avait lui et Narco, c'est normal que j'ai peur entre guillemets quoi, je suis pas serein, c'est normal. Moi je pense que dans tous les cas les deux sont dans le même camp. C'est pour ça en fait que je me suis barré, c'est que je me suis dit si jamais les deux sont loups, ils peuvent me sauter très très vite vu qu'on est que trois et personne ne saura quoi. Donc je préférais prendre aucun risque quoi et juste me barrer quoi. C'est logique. Moi je pense qu'il va y avoir de l'action bientôt là. Moi je pense pas. Moi je pense pas non plus. Ah, ouais. Parce qu'ils sont encore tous enfin, tous se sont trop. Parce que là ça va être soit de faire bouger, soit au renard de faire bouger. C'est là quand même, le montreur il est quand même sacrément utile quand même, hein, je me rends compte. Hein. Encore deux votes, hein, ça fait toujours deux votes. Hein. Encore une fois, il y a deux couple, votes. Je pense, donc, hein, c'est pas une question de LG, je pense. Hein. Là, c'est bien le couple. Hein. Je me suis pris la salvation épisode 3, donc je sais pas qui c'est. Épisode 2, moi, no joke. Hein. Quoi? Tu l'as pris au tout début? Bah, je l'ai pris première fois. Attends, t'as pris la salvation au début, puis après c'était moi, ouais. Puis après c'est Bichard là? Bah attends, what the fuck? Non, c'est pas Bichard, je crois. Bichard. Bah, Bichard est apparemment dit pas. C'est intéressant. Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que vu ce que bizarre. Non, c'est intéressant. Bichard m'avait dit tout à l'heure, tu vois, quand on était à côté de lui, Bichard m'a dit, je suis salvateur, mais je sais pas s'il déconne ou pas, mais vu que j'ai pris la salvation, c'est fort possible, tu vois. Mais je sais pas s'il déconne en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il déconne pas, genre. Bah, moi, ça me dérange pas d'avoir la salvation là, mais. Il paraît que toi t'as un stuff pété. Pourquoi t'as un stuff pété? Ouais, parce que j'ai trouvé. Enfin, j'ai 22 gaps là. Genre, vraiment, genre, si je trouve des mates en qui je peux faire absolument confiance. Mais du coup, t'as un rôle qui est ok? J'ai un très bon rôle en vrai. T'as un très bon rôle? Oui, tu es ancien. Non, je suis pas ancien. Mais bien sûr que bon, je suis pas ancien. Dalil peut être un atout important dans cette partie. Malgré le fait qu'il soit acheté 0 diamant dans certains games, mais bon voilà, il pourrait être un allié de taille. S'il s'avère qu'il est bien gentil avec moi, il pourrait me permettre d'avoir le heal qui me manquait, ainsi que peut-être un combo de rôle surpuissant dans le village. En tout cas, actuellement, il ne semble pas méchant. Et à ce moment-là, je me suis dit, et si c'était lui le salvateur? Parce que pour prendre la salvation épisode 2 comme ça, bon. Tiens, putain, parce que en gros, si les loups te tuent, qui récupère ce stuff. Bah bien joué à eux. Ils ont win. C'est bizarre que tu donnes ton nombre de gapples comme ça quand même. D'ailleurs, tu m'as comme dit que t'as 24 gapples comme ça, alors d'habitude tu les caches plutôt. Là, j'en ai pas 24 là. Le truc c'est qu'il y a encore, eu deux votes là pour Daiko, donc la question c'est vraiment qu'il est perfide. Pourquoi? Ça me rappelle, tu sais, quand on jouait à User World et qu'à la fin on faisait des blagues pour avoir des points. Et à la fin, il utilisait cette méta lui-même pour avoir des points. Il fait la même chose, je pense. Il utilise sa propre connerie passée pour nous brain. C'est ce qu'il fait souvent. En vrai, mais bon. Vous les contente Si personne bouge. Je pense qu'on attend la prochaine nuit de voir s'il se passe un truc et après on tente. Ok, ça marche. Je peux te demander quelque chose? Ouais, vas-y, viens. Qu'est-ce que Bichard veut dire par c'est toi mon ami? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, pour moi, Bichard a pris la salvation parce qu'il a dit au début du jour, ça c'est intéressant, c'est qui mon ami? Et du coup, il cherche le salvateur. Mais je me demande si c'est pas lui et il essaie de bait. Justement. Bah écoute, c'est. Enfin. Je peux répondre. Con. Vas-y, ouais. Vas-y. C'est pas ça. Mais c'est pas ça de quoi? C'est un autre ami. Tu t'es fait flairer par le renard et tu l'as su à la fin de l'épisode. Je cherche mon ami. C'est ça. Il y a aucune autre possibilité, c'est okay, forcément okay. Ça. C'est bien ce que je me disais what? Deux choses à noter ici. Donc effectivement, vu que Bichard me l'a confirmé, ce n'est pas une histoire de salvateur. Il a donc très certainement été flairé par le renard. Maintenant, deux possibilités. Soit il cherche le renard parce qu'il est safe aussi, soit il est loup. Donc il cherche le renard pour le tuer avant qu'il ne révèle l'info aux autres. Ça, on le découvrira plus tard. Deuxième chose. C'est bien ce que je me disais what? Comment ça, c'est bien ce que je me disais? Ah ouais. Attends, ça se trouve il cherche. Attends, mais je sais pas pourquoi. En vrai, je pense qu'il les safe, s'ils cherchent vraiment le renard, ce serait cool. Moi je m'éloigne un petit peu pour que, vu que c'est la nuit, comme ça laisse les loups attaquer. J'aimerais bien vraiment que la. Tu sais quoi, franchement, j'aimerais vraiment que la PFL meure et que ça soit pas Nagato. Comme ça, au moins, on sait que Nagato il est forcément méchant. Y'a Gep. Salut. Salut. Vous me faites peur, hein.
Il s'est retourné, non, mais... il a dit Gagap, Gagap. Non, mais c'est parce qu'en fait, non, je lui demandais son rôle, il me dit qu'il a un très bon rôle. Et Nagato est encore plus bizarre que ce qu'on pensait. Apparemment, Naruto l'a vu parce qu'il était derrière un bloc en train d'espionner, il avait oublié d'enlever ses bottes. Il essayait beaucoup trop de se faire passer pour la petite fille, j'ai l'impression. C'est quoi cette flèche, mec? C'est le couple, hein? La 100% flèche, ça? Bien sûr, gros, bien évidemment. J'espère oh là là, mais je... toi, en vrai, je pense que t'es. Bah, je pense que toi, tu l'es vraiment pas parce que. Peut-être que moi, des fois, je suis trop gentil, mais toi, tu m'aurais eu aucune peine à me casser la gueule. J'utilise vraiment le fait que j'ai beaucoup de gap pour. Pour savoir qui va t'attaquer. Si... Ouais, voilà. Et vu que j'ai eu énormément de chance, mais pas qu'en gap, bah, je peux me marier en fait. Du coup, bah, je m'en fous. Genre, ah, t'as des perles? Là, j'en ai qu'une parce que je suis complètement con, j'en ai utilisé une pour glitch. C'est intéressant. Salut. Bon, Gap me dit que Nanagato est encore. Je crois que j'ai des sœurs. Ah bon? Ouais, ça doit être peut-être Nusek en fave, parce qu'ils se barrent à deux, quand j'essaie de la rejoindre, ils sont en mode. Ah, sinon, ouais, Nagato encore plus suspect du coup. C'est Nagato qui a la flèche. Oh non, je vais pas aller chercher. Y'a la PF ici, gros, y'a la PF juste là. Y'a la PF juste ici, bah, ou on s'en fout. Y'a des particules. Ouais, mais on va pas faire un peu conflip. Ah, oui, non, mais non, juste. Non, juste non, on va pas conflip. Salut Nagato. Salut, j'ai effectivement vu les particules d'une personne invisible. Et encore une fois, deux possibilités. Soit c'est la petite fille, soit le loup perfide. Le truc étant qu'on parlait de Nagato juste avant. Donc si la personne qui nous écoutait là est la petite fille et qu'il ne s'agit pas de Nagato, normalement la game devrait bouger assez vite. C'est assez étrange par ailleurs, toujours aucun mort. Et il y a plein de gens que je n'ai pas encore vu une seule fois. Alors j'ai peur d'un truc, c'est que si c'est le perfide et qu'il y a deux loups ici. Non, vas-y, je vais m'éloigner de vous un petit peu là. Je suis pas sûr. Si il y a le perfide et qu'il y a vraiment. Bah, bon, si vous avez pas peur, tant mieux. J'ai peur que le perfide soit là et qu'il y ait deux loups et qu'ensuite ça se finisse en baston général. C'est possible, hein. Ouais. Et je suis en train de me dire, ce serait incroyable, ok, ce serait incroyable que ce soit Gap la PF parce que je l'ai vu se partir là-bas et ensuite il y a moyen qu'il soit revenu. Donc ça serait incroyable que ce soit Gap le perfide, ouais. On va Guy, je pense que je peux te faire confiance là-dessus en tout cas. Pourquoi? En tout cas pas sur un loup-garou. Bah tu viens de full crit un mob et tu vas pas tout one shot. Ah c'est bah, j'arrive gros. Que ce soit toi Gap. Ah mais il y avait Nagato là-bas, j'ai vu Nagato et tout il y a genre 2 minutes. Mais du coup je sais pas. Attends Gap, t'as vu Nagato là-bas tu disais? Oui, ouais. Voilà, c'est ça le bug. Dire qu'avec nous c'était vraiment la PF et qu'il va se passer des trucs là. Parce que nous il y avait une PF ici. Ce serait pas fait vu. En fait, nous il y avait un mec avec des particules visibles qui cassait des blocs ici. Hein. Oui, Nono dit que Bichard est safe. Je reconnais le rôle de Nono. Ah ouais, moi aussi je connais le rôle de Nono du coup. On a une tonne d'informations qui arrivent en même temps. Si on récapitule tout, Dalil est potentiellement salvateur. Donc on aurait un duo exceptionnel avec une double résistance. Même si je me méfie encore un peu, on sait jamais. Bichard serait safe car reniflé par le renard, qui serait Nono Boy du coup. Gap est peut-être petite fille d'après Nanox. Et Nagato serait donc peut-être perfide. Ou alors, ne serait-ce pas une stratégie inversée. Est-ce que Nagato ne serait pas la petite fille et Nanox du coup lui le loup qui essaye de retourner la situation? Trop de possibilités. Bah Nono il est renard en fait. Il a flairé Bichard et Bichard cherchait qui c'était au début de l'épisode. Parce que moi s'il m'a sorti c'est en mode j'ai tiré une flèche à Bichard, oui. Et il a pas répondu du coup il est forcément safe. C'est ça qu'il disait, je connais un gentil etc. Ouais. À un moment il est venu d'un seul coup au milieu de tout le monde disant il y a un gentil parmi vous, c'est qui le gentil. En mode il s'est fait flairer, il demandait qui c'était. Et après si Bichard est si expressif par rapport à ça, c'est pas qu'il est feutré. Très bonne remarque de Nanox. Bichard peut en effet être loup feutré. C'est un rôle qui a la particularité de prendre l'apparence de n'importe quel autre rôle et cela change à chaque épisode. Autrement dit, épisode 4 il pouvait très bien avoir l'apparence d'un villageois et être reniflé comme tel, alors qu'il est bien loup. Y'a pas le feutré. Dans ce cas-là, on peut faire confiance à Bichard. Attends, et mais non, je suppose. Je sais pas si les loups sont entre guillemets très bons, parce que là on a écarté beaucoup de bons joueurs. Ouais. Et il se passe rien. Nagato est pas mort, y'a des gens qu'on a pas vu encore. Notito, on l'a pas vu. Je pense que Guillaume n'est pas le garou. Peut-être qu'il est solo, mais en tout cas il est pas loup, je pense. Moi parmi vous, je pense plus que c'est Gap qui est pas LG. Le reste, j'en sais rien. Moi j'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Même si je suis avec Vinny, j'en sais absolument rien. J'ai aucune. Là, je sais pas, je pense que là on est plus de safe que de loup. Franchement. Oui, je pense aussi. Faut savoir que Skitty reste beaucoup avec Illu. Dès qu'ils sont arrivés ensemble d'ailleurs. Fatou, on l'a pas vu. Naughty, on l'a pas vu. Oh, oui, c'est vrai qu'il y a la prêtresse aussi. Bah, en fait, là, la prêtresse va pouvoir. Va peut-être bouger le jeu. Mais en fait, je pense que. Attends, là, c'est la nuit encore pour 3 minutes 50. Mais en fait, je comprends pas pourquoi il se passe rien. Parce qu'à mon avis, on est dans la configuration. À mon avis, il y a des groupes de villageois. Et tu dois avoir. Attends, juste. Tu fais quoi? Ouais. Tu fais quoi? Bah, les autres, on est ensemble, gros. Tu fais quoi? T'as tout seul? What the fuck, c'est trop chelou. Qu'est-ce qu'il fait tout seul, genre? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ce qu'il disait en mode c'est pas très utile pour moi de faire ça. Bah, on en a peut-être un du coup. On en a peut-être un sur la liste. Et t'as vu, il s'est barré instant. Il est pas venu avec nous, genre il a eu trop peur. Bah, après, moi aussi, j'aurais eu peur à sa place. Guy, ouais. Pourquoi les gens disent que t'es mort alors qu'il a pas d'infect? On s'en fout, tu vois. Je sais pas pourquoi les gens disent que je suis mort. Je suis pas mort, gros, genre. Non, gros. Je suis pas mort du tout, gros. Naughty, ça y est, c'est la première fois qu'on te voit. Bah, non, dis pas en fait. T'es arrivé tard? Ouais, je suis arrivé assez tard, ouais. On remarque donc bien que plusieurs groupes se forment. On a Gap et Nanox qui traînent bien ensemble. Dalil et moi. Fatou et Naughty sont ensemble aussi, d'où le fait que je ne les ai jamais vus. Et on a d'autres groupes comme Damien, Narco, Tatnux. Comme il n'y a toujours aucune attaque, il y a de fortes chances qu'il y ait des groupes entiers de loups et pas juste des loups infiltrés. Donc il pourrait très bien y avoir des groupes de loups entiers dans ceux que j'ai cités là. Mais y'a pas de montreur. Y'a un pan de montreur. Viens, Vi. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Tiens, tu peux me filer des gaps, s'il te plaît? Ok, bah, je suis vraiment avec toi, du coup. J'en ai 4, gros. Même si t'es pas avec moi. En vrai, tu sais quoi, gros? Faut qu'on attende, mais on peut faire la game à nous deux. Genre, ça peut être ouf. Bah, en fait, est-ce que t'en as besoin de ce que je viens de te faire? Oui. Non, parce que je sais pas, peut-être que ça sert à rien. J'ai pas eu de modévo parce qu'au cas où il est en couple ou quoi, je préfère pas me dévo. Ah, qui? Banano Lugaro. Qui a attaqué Banano?
C'est genre salatoire, genre la... What? Okay. J'ai vu deux morts. Bah oui, pareil. J'ai vu deux morts, ouais, dont une buggée, bah dont une gribouillée. Nagato était donc vilain petit loup, et non petite fille. Nanox avait donc raison. Du coup, la personne qui était avec nous et qui nous écoutait, cela peut être Gep. C'est quoi l'histoire de l'aléatoire de la maîtresse? Quand elle est en vie, le village a 80% de chance de voir le rôle d'un mort, les loups ont 20% de chance. Sur chaque mort ou... Oui. Ouais, et quand la maîtresse meurt, c'est inversé. Qui a attaqué? Qui les a tués? C'est Damien qui a lancé. Damien, Gep. Après tu peux pas, tu sais, tu peux pas dire que c'est les autres qui... Je pense, si je connais, si Damien est bien le rôle auquel je pense que s'il voulait tuer Damien, il l'aurait fait. C'est quoi? Tu penses à quoi? Bah pour avoir des infos comme ça, vu que c'est pas le renard, ce sera autre chose. Ouais, bah nous, ce serait prêtresse. Je pense qu'on est intuables tous les deux, hein. Sur... Vraiment. J'aimerais bien trouver les loups en fait, mais je suis pas certain que dans le groupe... En fait, attends, il reste combien de loups là, en total? Il y a pas d'histoire d'infect. Il y a un couple aussi, faut se rappeler. 5, 6, 7, 8. Je pense que les loups là, ils sont pas... Ouf. Il y a 8 loups encore potentiellement là-dedans, en sachant qu'il y a assassin. Ah oui, d'accord, ça va en fait. Je crois que c'était fini la game là. Pas du tout, gros, c'est que le début. Hein. Okay, il y a 8 loups en comptant l'enfant sauvage, ange, assassin, voleur et le couple. Ah ouais, l'enfant sauvage et tout. Ok, ça va. En vrai, s'il y a 8 loups, on peut compter 8 loups. On peut compter 11 méchants dans le tas. Et le village, on n'a pas tant que ça, mec. Hein. 11 méchants hein, à trouver là. Moi, je dirais Naughty méchant parce qu'il arrive hyper tard. Sinon, s'il avait un rôle important, je pense sortir. En vrai, c'est l'excuse qu'on me faisait au début, mais en vrai, ça paraît plutôt logique. Pour faire un stuff pété, t'as besoin d'avoir un peu de sortir full fer, même si je suis. Ouais, normal. Tadou, il devrait être gentil. Kanfav, Tatnux devrait être gentil. Chobax, je sais pas. Je crois qu'il est gentil. Rastum, il s'est pris les votes dès le début, donc soit c'est le coup pour pas qu'il reprenne. En vrai, ça paraît être logique que ce soit le coup parce que pour pas que Rastum reprenne les votes derrière, tu vois, plus tard dans la game. Je sais pas, peut-être, sûrement. Après, t'as quoi? T'as Narco qui est sûrement en rôle solo vu ce qu'il a dit. Tu veux tuer Narco? Tuer, est-ce non. Parce que là, la game est un peu en point mort depuis 30 minutes là. Bah là, ça a bougé parce qu'il y a eu l'attaque, mais. Tu vas tous. Il y a un truc qui s'est passé aussi, c'est que. Panano est en train de se faire tuer, il a dit que t'as tué, c'est de moi, t'as tué. Et du coup, viens, tu as Panano sous nos yeux, Gil. Pas mon Gégé. Narco, tu as Panano sous. On a tué Nagato. Ok, viens, viens. Pas mon Gégé. Viens juste toi, Dadou, viens juste toi. Tu n'es pas renard, t'es sûrement encore et toujours le même rôle que t'avais déjà été la dernière fois. Peut-être. Je dis ça comme ça parce que en fait je suis en train de chercher tous les villageois et pour faire un tri après pour savoir les méchants. Le truc après, étant moi, que. Je t'avoue que je sais pas ce que t'es moi, Guigui. Hein. Oh, t'inquiète. Ce que je peux dire, c'est Vinny est safe. Okay. Et on reste ensemble parce qu'on a confiance l'un en l'autre et je suis dégoûté de pas avoir pu vous aider dans le combat. Mais en gros, qu'est-ce que je veux dire d'autre? En plus, j'ai un très bon stuff. Il reste, si on compte l'enfant sauvage, 11 méchants à trouver, dont les rôles solo, etc. Donc 11 méchants sur les 20. Ça veut dire que ça fait 9 gentils. Toi, t'es gentil. Vinny est gentil. Je suis gentil. Ça fait 3. Moi, de ce que j'ai compris, je te le dis, je vais te dire un petit peu. Parce que ce que tu me dis, ça semble un peu logique. Je pense pas que tu sois méchant, sinon tu aurais pas réagi comme ça. Donc je vais te dire un petit peu pour faire un petit peu bouger la bégaye, etc. Ce que j'en pense. Je pense que moi, quand Fav est gentil, oui. Je pense que Bichard est gentil. Je pense que Tatnux est gentil. Donc ça fait 6 avec 3. Je te dis un petit peu ce que je pense. Nanox, je pense qu'il est gentil. Je pense que Gep est gentil aussi. Restump apparemment est gentil aussi. Bah, du coup, ça fait 9. Hein. Là, tous les autres seraient méchants. Nono, il est gentil de sûr, il est renard. Il a flairé Bichard. T'es sûr? De sûr. Nono a dit que Bichard était safe et au début de l'épisode 3, Bichard disait il faut que je trouve mon ami. Eh ben moi je pense pas comme ça. Je pense plutôt qu'il serait sœur moi. On a donc presque toutes les mêmes informations de partout. Sauf que si on compte Nono Boy en safe, ça fait 10 safe alors qu'on devrait en avoir 9 normalement. Donc soit l'enfant sauvage n'est pas transformé, soit il y a un infiltré dans le groupe de Damien. Intéressant. Qui? Nono? Nono. Avec qui? Avec Tatnux. Bah oui, ils pensent qu'on fait avec Tatnux. En vrai, faut voir leur groupe bon, avec bref, Nono. De parce toute que si c'était Tatnux avec Nono. On va dire, alors théoriquement, il y aurait qui en méchant? Il y aurait Deiko. Je pense que vraiment Deiko, il est méchant. Pourquoi il s'est fait voter d'ailleurs? Aucune idée, c'est sûrement le couple. Comme l'histoire de Rastum. C'est pour ça que Rastum, je suis pas certain qu'il soit pas en couple ou méchant. Parce que ça paraît très logique que Rastum se vote pour lui-même pour pas reprendre les votes plus tard. Ouais, c'est logique. Non, mais Dali, oui, tu m'as dit Dali est safe de sûr. Safe Dali sûr. Gitu, il eut. Gitu, je pense qu'il est méchant parce que quand on était dans le groupe de 4 avec Vinny, Gap et Nanox, c'est le seul qui parlait pas du tout. Je pense qu'en vrai, il est méchant. Il arrive avec Skitty, donc possible que les deux soient loups ou alors en couple, mais je pense que plus les deux seraient loups. Skitty, je pense qu'elle est méchante. Chobax, je pense Nimbus, aussi. Nimbus, aucune idée. Chobax, aucune idée. Narco, sûrement rôle solo. Narco, tout court, aucune idée. Fatou, aucune idée. Notitou, arrivé hyper tard, mais aucune idée. Partout, c'est possible qu'il soit méchant aussi. Il aurait pas me foutre des coups. Après, bon, on taquine à chaque fois. Mais est-ce qu'il y en a un que tu penses vraiment méchant de sur Daiko? On va dire celui que je pensais vraiment méchant. On l'a saucé, hein. Bah, tu l'as vérifié. C'est plus pour ça. Bien resté là-bas. Ouais, on va retourner au centre. Salut, quand t'es toute seule? Coucou. Non, il y a Tatnux avec moi. Tu vois ce que je te disais? Il y avait Vinny qui te cherchait, Gil. Possible, ouais, de ouf. Parfait, Vinny. Du coup, ça laisse tous les autres potentiellement méchants. Et moi, je pense que Gitu est méchant parce que dans le groupe où on était, il parlait pas du tout. Au pire, on tente, hein. C'est ce que je voulais faire. Putain, mais je comprends pas, genre, si on fait le compte, ils ont un putain de groupe de LG quand même. Après, peut-être qu'on se trompe, hein. Je sais pas. Peut-être que Damien, il est juste LG blanc, genre. Ce serait très smart. Ça serait extrêmement smart. Salut les mecs! Vous cherchez Narco ou quoi? Non, bah, il était là il y a deux secondes. Pourquoi t'as d'absolument? Attends, viens, j'ai des informations à te dire aussi. J'ai pas là quand Fav et. Je me sens pas serein là. Et ils m'ont dit que lui est certainement méchant. Il est suspect en tout cas. Très suspect. On tente sur Gitu, mais le problème c'est qu'à mon avis, les 5 à côté, gros, je suis pas serein. Ça m'étonnerait pas que Chobax soit tout et tout. Ouais, va falloir l'écarter. Chobax, je sais pas s'il est. Ça va, vous êtes pas trop là.
Nono, tu penses que Bichard il est safe toi? Aucune idée. Quoi? Comment ça aucune idée? Parce qu'apparemment Bichard nous a dit qu'apparemment tu lui avais dit qu'il était safe. T'as rien dit du tout. Alors, deux problèmes. Déjà de 1, Nono n'a jamais dit quoi que ce soit à Bichard. Donc déjà on s'est trompé sur toute la ligne et ça chamboule absolument tous nos plans et toute la game. Et de 2, ils sont pas tous loups là du coup? On va pas genre se faire attaquer? Gros, y'a 6 loups là. Gros, y'a 6 loups ici. S'il y aurait 6 loups, ils nous auraient suivi jusqu'au bout de la nuit. Bah alors, y'en a 5 alors. Mais ma petite rêve. En fait, le problème, c'est que là, ils nous bloquent. Hein, si on veut repasser, bah, je là, pense là, si y en aurait 5 qui l'auraient tué. Alors, je sais pas, c'est trop bizarre. Tu connaissais de repasser dedans? Tu peux résister toi s'il y a une attaque? Franchement, pas encore. On tente, vas-y, on va passer à travers eux. On tente le move. Ouais. Après, y'a Nono dedans. Oh, Nono, on connaît son rôle, c'est bête. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit à ce qu'on pensait. Là. Mais il fait quoi là en fait? Vas-y, là. Pas compris, des rien compris là, ce qui vient de se passer là. Quoi? Je sais pas, ils veulent attaquer Patou et machin. Ils croient qu'il est en quoi? Et machin. Oui, ils croient qu'ils sont en couple les deux. Patou genre... du tout. Oui? Et pourquoi vous bégayez comme ça? Genre. Genre, là, il y a une tension là, j'ai l'impression dans le dialogue là. Ah putain. Non, on a dire gros. Bref. Oh là là, ok, ouais. C'est quoi? Bonne réponse. Pff, ok, j'ai même plus le temps de mettre un coup. On va voir, il faut tenter. Il, fait peur, ça, il était avec Daiko pendant une heure. J'espère, hein. Il y a de fortes évidemment, chances. Regarde. Il y a de fortes chances. Ah, voilà. Moi je pas. Ah, si, c'est moi, je laisse, t'inquiète. Ouais, c'est bien joué. Je crois que la game est facile. Bah ouais, mais ils attaquent pas. Alors, on était au milieu d'eux depuis une heure. Donc, j'ai pas compris, hein. Genre vraiment, on pourrait. Je vois pas. Non, bus. Y'a quoi? Bah, il est prêtresse. Ah! Oh putain, mais Dadou il est quoi du coup? Dadou il serait pas un rôle solo, genre? Renard? Ouais, puisque Nono il disait que c'était pas ça. Nimbus serait prêtresse. Ah, oh, ça c'est compliqué pour nous, du coup ça va inverser les trucs pour nous. What? C'est quoi ça? C'est quoi ça, gros? C'est Nimbus? Non, mais attends, what the fuck? Attends, mais y'a du full P3 dedans. Rose, y'a du full P3 là. Y'a quoi comme épée? Y'a pas l'épée. Oh, là, regarde, y'a qui? Oula! Ah, ouais, back. T'inquiète. Quoi? Faut que tu m'aides, gros. Vas-y, j'arrive. Mais genre quick. Oui, tu peux venir. Ouais, je suis là. T'inquiète, je check. C'est bon. C'est quoi, j'ai 6 caps, gros. Tu sais que j'ai failli crever, gros. Il m'a mis tellement cher. Il est assassin. Il m'a mis tellement cher, mec. On va pas voir ce que c'est parce que la prêtresse est morte. On sait pas, moi je sais pas. Moi je l'ai eu, je l'ai eu. Assassin. Sharpness 4 diams encore. Il a pas dû comprendre, hein. Laissez-nous tuer 800 fois. T'as résistance aussi? T'as combien de gap? J'en ai 10, gros. En fait, j'ai le P3 de l'assassin aussi, mec. Bah gros, nice. Il faudrait juste des bots. Bah voilà, j'ai du P2 là. Avec, je suis P3, P2, Sharpness 4, Power 2, 10 gap. Je vois pas comment on peut perdre. Mais genre, en fait, j'ai eu peur quand tu me dis quick. J'étais en mode non, je vais mourir. Ouais, mais j'étais vraiment pas loin, mec. Hein. Mais vraiment, j'étais pas loin. On est en train de faire la game, gros, c'est trop bien. Tiens, Guild, au cas où quoi. Je fais rarement des bonnes games quand je suis villageois quand même, je t'avouerai. Plus rien, tuez-moi, genre, finissons-en. Je suis fou du village. Mais je me suis fait sauter par tout le monde. Bah pourquoi t'es full du village? Pourquoi c'était full du village pour qu'on te tue alors? Bah je sais pas, Nono, Chobax, Narco, bah, ça tombe Bichard, bien. Bah oui, Narco. Non, Narco, je viens de le croiser, il m'a pas vu. Mais le truc c'est que Fatou, Chobax et tout, ils sont sûrement loups en fait. Hein. Je suis transparent avec vous, j'ai plus de gapel et j'ai 3 cœurs. Et mon casque est à 2 doigts de bras. Allez, vas-y, tiens. Les gars, parce que même si t'es loup comme ça, ça donne une chance de plus. Non, je suis vraiment pas léger. On a tué Narco. On vient tuer Narco. On a tué Narco et Guitou aussi. Mais du coup, Dadou, je sais pas ce que tu es en fait. Impossible. Bah le problème c'est que. Il reste combien de gens de là en fait? Attends, on va compter en les rôles. Il y a un truc qui me turlupine un peu. Mais il reste des rôles solo dans tous les cas, ça c'est sûr. Bah déjà, il reste aussi quelque chose aussi de le super couple, important. Le couple là pour l'instant, c'est pas trop ce qu'il y a besoin là. Juste avant que je vous croise, j'ai croisé Nono, Ilu et Narco ensemble, les trois. Non mais au pire, on les trouve, on les saute et voilà. Les gens vous pensent vraiment sœurs à Skip. Hein. Bah, tant mieux, ça nous arrange de ouf, gros. Non mais c'est vraiment impossible que vous soyez sœurs. C'est toi avec Naughty. C'est vraiment impossible. C'est toi avec Naughty du coup. Donc Kanfave. Mais attends, imagine Damien, imagine Dadou, il nous bait depuis le début, c'est genre un rôle solo ou le LGB. Imagine, et en fait, Kanfav et Tatnuk, c'est juste le couple. Imagine. Kanfav, c'est sûrement le couple, Kanfav. Hein. Parce que, apparemment, le. Je pense pas comme ça. Apparemment, le sort, c'est Fatou et Nauti. C'est sur ça que je suis d'accord avec toi. Je pense à un autre truc, mais pas. Je pense pas que tu penses. Je pense pas Kanfav. Je pense que j'ai trouvé. Le couple? Je pense que j'ai trouvé la sorcière. Je pense que c'est Tatnuk. Renard. L'autre, il serait Soso. Kanfav, elle est quoi? Moi, tu vois, je pense que. T'es sûr que Nanox et Gap, ils sont gentils, mec? En vrai, de vrai, je pense. Franchement, ça serait trop gros. Mais tu veux qu'ils soient cons, en fait, mec? Bah, ça se trouve, ils sont frérot, j'en sais. Par contre, l'autre groupe, je sais pas. Par contre, Rustam, Bichard, Nanox. Le problème, hein, c'est qu'il y a des rôles solo dedans, de sûr. Mais c'est que. En fait, on a tous les bons rôles du village, ils sont là, gros. Entre nous, hein.
Je sais. Donc le problème c'est qu'il reste quoi en fait là. Mais du coup mec, en fait le problème c'est que si on a tous les bons rôles villageois ici. On a vraiment le meilleur groupe de tous les temps. Mais c'est ça en fait le problème, c'est que Gap et tout, ils sont là, ils sont juste là en plus. Ça veut dire que les gars, juste un truc, mais Naughty Too, qu'est-ce qu'il fout là? Mais Naughty, il sort avec Fatou, gros. Du coup, si on réfléchit bien, considérons que Naughty et Fatou sont les sœurs, Damien et le renard, Tatnuk sorcière, Dali le salvateur et moi l'ancien. Il ne reste donc que la petite fille à trouver, un SV et tout le reste sont méchants du coup. Donc ça veut dire que quasiment tout le groupe de Gap est méchant si on suit la logique. Gap, Nanox, Bichard, Restum, Chobax, tout ça, ils sont tous méchants en fait. Et le couple dans tout ça, tout paraît si flou. Je viens avec nous. Puis, non mais t'inquiète gros, hein, on a tué Narco et on a tué Gitu, donc t'inquiète. Hein. On a été séparés pendant longtemps. Du coup, quelles sont vos infos et quelles sont nos infos, comme ça on les met en commun. Nanox pense que Nono est renard. Non, Fatou gros, est méchant. Non, parce que Damien serait quoi gros? Mais justement, c'est pour ça que je me pose la question. Damien serait quoi? Damien il est renard et Nono il est loup gros en fait, c'est tout. De base, je pensais que. Mais Nono il a jamais dit que t'étais safe gros. Je sais pas où tu l'as entendu, hein. Mais quand je l'ai vu. C'est Nanox qui m'a dit ça. Oui, voilà, bah quand j'y. Bah c'est ça, Nanox il est loup avec Nono alors. Parce que gros, c'est pas possible. Dans notre groupe, il y a trop de gentils en fait dans notre groupe là. On a tué tellement de. C'est possible. Et en fait, trop. Oui, mais eux ils sont safe. Vous les avez sautés. Ils sont safe, bien sûr qu'ils sont safe. Je vous jure. Non, la vie de ma mère, Bichard, il m'approche pas. Je sais pas combien d'en fait. T'as boosté Chobox comme ça. Vas-y, t'as bouché Chobox sur moi, gros. Il y a des méchants. Non, bref, je t'explique. Dans les deux groupes là, il y a des méchants. Je t'explique. Non, vraiment, je suis pas méchant. Je finis de t'expliquer, Bichard. Viens, je finis de t'expliquer. Ce que tu me dis sur N là, ça me fait peur, mais c'est possible. Mr. N. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas le choix en fait. Qu'au bout d'un moment, c'est obligé qu'il va y en avoir. Il est peut-être un rôle solo, mais c'est obligé qu'il va y avoir des méchants dans le. Parce que nous, en fait, je pense qu'on a quasiment. On a tous les rôles villageois puissants. Tu veux toutes mes infos? On pensait que Confab et Tatnuk c'était sœurs. Dadou est venu me voir en me disant c'est pas possible parce que Tatnuk ou Confab à un moment avait une potion dans la main. Je pense pas possible. Ok, donc Dadou m'a dit voilà, donc Dadou m'a dit ça, ça correspond bien. Donc dans ma tête, je me suis dit bah c'est vous deux les sœurs. Non, c'est. Et bah c'est pas, y'a un truc qui va pas gros. Bah si, c'est Fatou et Naughty gros, ça fait une heure qu'on te le dit. Fatou il nous a dit que c'était impossible que ça soit Confab ou quoi. Genre il nous l'a dit en mode, il nous a dit ah je vous jure que c'est impossible. Mais tu penses que je suis en train de me faire enculer dans mon groupe là? Bah ça se trouve t'es méchant aussi gros, ça se trouve. Donc pour moi vous êtes sœurs. Je sais pas. On est vrai, on est vrai. Bah c'est pas ça, mais si les gens. Je vois pas c'est quel rôle en fait, c'est ça le truc, je suis vraiment pas vos rôles. T'inquiète. Ah, y'a que là-bas. Personne pour deviner. Y'a Tatnuk, Gap, Nanox, moi j'en sais rien, tu vois, c'est Dadou qui a dit son save, mais depuis le début, bon, Gap il a one shot, Gap il a one shot des mobs de nuit. Déjà de 1, bon après il fait peut-être exprès comme il a déjà fait, mais bon. J'en ai parlé à personne, mais Damien a one shot une araignée tout à l'heure, mais. Je pense pas, crois-moi, je pense Bichard, ce n'est pas. Une araignée, tu l'as one shot en critique. Vous nous tirez dessus, hein. Nono est méchant. Hein. Guillaume recule, attends deux secondes. En vrai. Y a pas, c'est impossible, genre c'est, sur les trois groupes, y'a trop de personnes mettent là. Si le renard les quatre, là. Je suis chaud pour tuer Damien. Ah, c'est mineur Nono, donc c'était bien Chobax, voilà putain. J'ai pas vu le renard de Nono. Mineur, et Skitty c'est quoi? Perfide. Faut tuer Chobax. J'ai pas vu. Il est loup, sûrement, mais je vois pas, mais sûrement loup. Mais voilà, je savais qu'il aurait fallu qu'on les défende. C'est pour ça que je voulais rusher dans le tas. C'est assez bizarre quand même. Quand tu m'as dit recul, je voulais taper Chobax, mon frère. En fait, ouais, mais le problème, c'est qu'il se serait retourné en fait. Vu que j'étais assez loin. On était vraiment en 4 contre 2, avec Nono peut-être 3, mais voilà. Dadou. Oui, ils sont partis les gars, ils étaient là-bas, les 4. Donc... Nanox, gros, je sais pas. Je sais pas, il m'énerve. Et lui, il était quoi là? Il était loup? Non, mais que nous, il nous suspecte de couple ou de sœurs? Je comprends. Franchement, je comprends. Moi, je vous le dis, c'est de couple. Non, non. De quoi? Ah, ange gardien. Qui c'est qui suspecte de ça? Pourquoi ça serait pas possible? Bah, le groupe là-bas quoi. Mais le groupe, c'est qui le groupe là-bas? Bah, Gap et tout. Hein. Il était quoi? Loup-garou. Et le pire, c'est que c'est pas nous. Hein. Nous, on est vraiment juste deux villageois qui sont en train de rouer la game. Parce que c'est bizarre que vous avez. Mais vraiment, c'est bizarre, gros. Mais vous, c'est pas bizarre que vous restiez tout le temps tous les trois. Mais vraiment, en fait, c'est ce que je me dis, mais c'est ce que j'aurais dit aussi. Il y a bien un problème là. On n'est pas tous gentils. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que quand Faf dit que t'es gentil, mais si ça se trouve, tu nous bêtes juste depuis le début. Moi, j'ai 300% confiance en Dalil. Et c'est rien à voir avec le couple. C'est bon, ok. Non, mais c'est mon guide, il a compris. C'est un peu risqué ce que j'ai fait, mais bon. T'as bien fait, ouais. C'est pas grave. Peut-être c'est un risque, mais. J'ai aussi observé Damien. Je savais pas qu'il met, j'ai fait bon, allez. Ouais, non, mais c'est bien, t'as bien fait ça. Ok, les gars, y'a une couille dans le groupe, j'ai compris. Mais bien sûr qu'il y a une couille dans le groupe. Les gars, ok, j'ai compris un truc dans le. J'ai compris sur vous. Dadou, tu pourrais comprendre. On a résisté, Dadou. On a tué. Vas-y, dis quand même, je dirai rien. Ok, je dis rien, j'essaie de deviner, d'accord. Je vais vous dire. Dalil, je sais salvateur. Tatnux, je vais te dire, je pense sorcière. Et Guigui, je pense ancien. Et moi? Comme Fav, je pense. Moi j'ai son rôle. Renard. Non, je pense pas ça. Je suis d'accord avec Damien. Okay. T'as son rôle toi? Attends, comment ça? Okay. Par rapport à ce qu'elle vient de me dire. Mais du coup, et du coup, toi Dadou, t'es quoi en fait? Oui. Mais Dadou, t'es quoi toi Dadou? Dadou, t'es quoi? Dadou, y'a plus de rôle. Y'a combien d'SV? Bah, y'a juste le SV quoi qui a un truc en plus. Guillaume, y'a combien d'SV? Ah non, y'a PF aussi. Attends, t'es quand même. Ah, mais attends, t'es quand même pas PF. Mais what the. Mais du coup, ça veut dire que. Eh, mais attendez, parce qu'il reste qu'un SV et le reste, gros, c'est des rôles solo. Fatou et Naughty, c'est les sœurs. Et après, il reste quoi, gros? Voleur, ange, le couple et des loups. Voilà, les sœurs sont là. Bah voilà, on est tout le village, gros. On est tout le village, là, regarde.
est-ce que tu me crois si tu me dis que je peux regretter mon choix fait au début de l'épisode? Oui, mais j'écoute, je crois totalement et je suis même. Attends, ça paraît logique. Pas. Même si le couple, c'est deux villageois, t'es prêt pour les tuer ou pas? Ça dépend si c'est Dadou, Kanfav, gros. Et moi, je te dis. Kanfav est dedans. Je pense que Kanfav est dedans. En fait, le problème, c'est qu'elle défend à mort Damien alors que franchement, tu veux qu'il soit quoi, Damien? Pour moi, c'est couple. Pour moi, c'est couple. Renard, t'imagines sur couple? Moi, je pense que c'est couple, Dadou. Il reste Renard, PF, SV là. Après, le reste, il y a voleur, mais voleur, il a peut-être volé un villageois, mais non, voleur, il a forcément volé un loup vu qu'il y a que des loups qui sont morts. En vrai, genre, vu comment ils se défendent. T'imagines, genre, un truc du futur, genre, Nanox a ange gardien et pour ange gardien. Quoi? Il m'attaque, je sais pas pourquoi, les gars, il m'attaque. Pourquoi vous l'attaquez? Il m'attaque, mon gars, il m'attaque. Il est malade. Mais frère, mais t'es malade, mais les gars, mais je suis vraiment gentil, par contre, je suis vraiment gentil, les gars, faut pas m'attaquer, faut pas me tuer. Je pense qu'il est en couple. Hein. Guigui, je te jure, m'attaque pas, me tue pas, Guigui. Tu le frère. Merci. Il est en couple. Non, mais c'est pas ça. Viens. Viens, Dalid, reste pas là. Dans tous les cas, il est mort, Damien. Voilà, c'était ça, putain. 100%. Mais du coup, vous avez tué mon amoureux. Bah oui, mais. GG les frérots, GG. Mais oui, mais c'est pour ça que Kanfav, tu défendais à mort. Mais oui, tout le temps. Mais frère, c'est pas ça le pire. Le problème, du coup, c'est que Kanfav a été quoi? Renard. Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'au début. Voilà, donc c'est un peu con de les avoir attaqués. Mais pourquoi ils vous ont attaqué, du coup? Je pense qu'ils voulaient aider les loups, parce que. Oui, ils voulaient aider les loups pour rendre le truc. Mais du coup, on n'a pas le choix. Ça l'idée. Oh là là, attends. Cours, Dalil, cours. Prévous. Mais bien sûr, gros. Il est con, oui. Non, Nanox, il y a un SV parmi vous et les autres sont tous méchants, gros. Il y a un SV parmi vous et vous restez méchants. Quoi, c'est quoi, Bichard? Quoi? Oui, vous restez long, je m'en fous. On a tué quasiment presque tous les LG. Mais nous aussi, gros, on a tué tout le monde, gros. Je suis mort et j'ai été revive par la sorcière. Attends, c'est nous. Damien nous a attaqué. Non, reste loin, tu restes loin. On s'en bat les couilles, gros. Vous êtes quoi en fait? On peut carrément all-in en fait, on s'en bat les couilles en vrai, on va all-in. Non, il y a la nuit là. Les mecs, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un cap VP. Et si jamais il y avait un LG parmi nous, ça serait transformé en 3v3. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est absolument pas passé en fait. Du coup, ça veut dire qu'il y avait pas de LG parmi nous. Ou s'il y a un LG parmi nous, c'est un enfant sauvage qui s'est transformé sur le dernier qui est parmi vous. Le saint villageois est parmi vous et l'ange est parmi vous. L'ange est mort en fait. L'ange est mort, bah j'ai pas. C'est qui? Bah voilà, l'ange est mort. C'était qui? Ok, on a pas vu. L'ange il lui. Donc il reste voleur. Mais je voyais pas. Est-ce que le peu d'informations que t'aimes serait pas erroné? Mais espèce de con, la prêtresse elle est morte. Normal qu'on ait plus d'infos, la prêtresse elle est morte, gros. Oui, mais nous, mais attends, on a discuté entre nous et à chaque fois. Voilà, et à chaque fois. Oui, bah nous, c'est le seul qu'on avait pas, gros. Sinon tous les autres on les a. Mais du coup, le truc c'est que parmi vous il reste quoi du coup? Pour vous là. Je sais pas, on connaît pas nos rôles en fait. Bah voilà. On connaît tous nos rôles. En fait, on connaît tous nos rôles, nous quatre ici. On est les derniers du village. Plus sorcière. Franchement, tu crois quoi? Alors vas-y, reste un petit. Vous pensez que vous êtes quoi, vous? C'est obligé. C'est impossible qu'il y ait deux. Et voilà le fameux moment, la confrontation finale. La voilà. Il reste dans la game deux sœurs, un salvateur, un simple villageois, un enfant sauvage, un voleur et tout le reste sont loups. Maintenant, à vous de me donner votre avis. Pensez-vous qu'effectivement Nanox a raison et je me fais brain? Les gentils seraient donc parmi eux? Ou pensez-vous que nous avons raison? Le seul truc suspect, c'est l'attaque de Damien qui me disait que je ne devais pas le tuer. Et j'espère que je n'ai pas fait une erreur à ce moment-là. Ils ont pourtant l'air très sûrs en face. Et le problème, c'est que tout le monde en face défend. Même le voleur, même le potentiel. C'est le loup-garou blanc. Même le simple villageois du coup les défend en face si on suit notre logique. C'est extrêmement flou, c'est extrêmement incompréhensible. Bref, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Attribuez un rôle à chacun des joueurs si vous souhaitez jouer le jeu. Qui se fait brain pour vous? Cette fin de game est incompréhensible et le pire c'est qu'il y a forcément au moins un villageois qui se fait brain actuellement. Mais vous voulez qu'on mytho de quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Dalil et moi on essaie. Guillaume, Dalil, comment avez-vous eu confiance tous les deux dès le début directement? Parce que il s'est passé un truc par rapport au rôle, gros. Tu veux que je dévoue? Il est salvateur, il m'a mis la salvation dès le début. Ça te va? Ok, et toi t'es quoi? Bah moi j'ai résisté à l'attaque de Narco avec lui. Mais ça veut pas dire que t'es pas méchant. Non mais qui aurait pu tuer dès le début tranquille du coup? On est ensemble depuis le tout début, gros. Il l'a dit ce que je suis. Bichard, t'es en train de. Bichard, tu continues de m'annoncer, je te bute. Bichard, tu continues de faire ça, je te bute. Vraiment. Laisse-moi émettre les suspicions. D'accord, mais moi je pense que t'es méchant là. Avec ce que t'es en train de faire, je pense que t'es en train de t'enfoncer de plus en plus, Bichard là. En fait, je veux bien vous croire, mais c'est-à-dire que parmi eux, il y a une salope. Mais il reste un SV, gros, il y a que des méchants parmi vous. Le truc c'est qu'il peut pas y avoir tant de méchants parmi nous parce que là on a attaqué 3 loups. Vu comment Gap a peur, je pense qu'il essaye. En fait, le problème c'est que le LGB est forcément parmi nous 8 en fait. Gap, je pense qu'il essaye parce que il y a un loup, un LGB, il y a un loup, un LGB, un voleur ici. Tu te rappelles quand t'as dit que la sorcière était parmi nous? Bah elle est pas parmi nous. On est 5 là, on est 3. Faut qu'on sait pas. Imagine ces eux deux là, ils nous baitent depuis le début, ça serait énorme. Ça serait trop bien, mec. Franchement, si c'est ça, c'est la meilleure game. Si vous deux vous êtes méchants, c'est énorme. Mais du coup, on est d'accord, les mecs, il n'y a aucune possibilité que là-bas, ils sont tous les 5, tous les 4 gens. Si vous deux
vous êtes bien Salvateur et ancien respectif comme vous l'avez dit, qu'on a tous résistance. Mais non, mais non, 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 mais si c'est vraiment ça, mais vraiment là en fait nous on est intuable. Donc en fait ils viennent. Mais en fait c'est même pas la question de on est tel rôle, on est tel rôle. C'est que vu tout ce qu'on a tué, etc., tu veux qu'on soit quoi en fait? On y va là, je sais que. Vas-y, on y va, go, vas-y, on y va. Ils disent voter Chobax, mais ils ont pas du tout voté pour Chobax. Bah c'est nous 5, ouais, bah ouais. Ouais. En vrai, non mais Gab, je pense qu'il est safe, hein. Bizarre, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Non mais je suis là, mais non mais archi pas, gros. Ils montent en haut, ils montent en haut. J'avançais gros, occupez-vous pas de Bichard, il essaie de faire perdre du temps là. Occupez-vous pas de Bichard. Si c'est vous... Vous nous avez enculé toute la game non, derrière. Non, c'est vrai. Ouais, inversement pour vous, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que Nanox reste up. Nanox et Lou et reste up LGB. C'est pas bon ce qu'on fait. On les laisse vraiment dans notre bac. Mais ouais, mais ils font bon, quoi là? On sait pas quoi faire, gros. Qu'est-ce que. C'est vraiment pas bon de les laisser dans notre bac comme ça. C'est que. Ils ont rien prouvé comme quoi ils étaient méchants. On a attaqué des loups, il y a personne qui nous a attaqué pendant qu'on a attaqué des loups. Non mais ça paraît logique, mais après ça se trouve vous êtes aussi méchants encore. Au pire restez à 3 et puis... Moi j'ai juste vraiment peur de les laisser derrière nous, hein, parce que vraiment, enfin, surtout quand Bichard nous suivait pendant tout le fight, j'avais vraiment trop peur. Hein. J'ai trop envie de sauter aussi Bichard, je te jure. Gail, il reste un... Non mais en fait, t'es méchant aussi. Bon allez on tue. T'es complètement con. Non t'es méchant gros. Je suis vraiment pas méchant. On a compté. Bah on a compté gros. Je suis pas méchant. Alors par contre toi t'es vraiment... En vrai Naughty, en vrai... Je suis vraiment pas méchant. C'est impossible, sinon je serais pas remis en fait. Bah parce que tu crois qu'on croit... N'importe quoi, c'était évident. Mais alors, tu serais quoi si t'es gentil? C'est impossible. Bah gros, recompte, y'a peut-être qui nous a menti. Et qui? Tu veux que sinon, qui nous a menti? Et tu veux que qui nous ait menti en fait? Bah, le problème c'est qu'on a une preuve sur tous les rôles. Non allez on tue, c'est bon. Non t'es pas sûr, c'est bon. Soit il est méchant, soit dans ces cas-là, c'est vraiment qu'il joue extrêmement bien dans le groupe. C'est impossible qu'il soit gentil. J'en ai marre des gens qui disent ouais, crois-moi, je suis safe, j'en ai marre. Paf. Ils sont sûrs que je suis lourd alors qu'en fait pour l'instant je suis lourd. Ouais si. On reste up, c'était vraiment pas lourd. Merde, je suis en bas gros. En dessous Chobax. Chobax juste en dessous gros. Vas-y viens. T'es là? Il reste un peu aussi. Vas-y le gap. Fais gaffe. Bien riche. Bon. J'ai réussi à fuir. Ah bah faut que tu aies le m'aider gros. Merde. Excuse. T'es mort? Non. On va chercher des... Mais gros le problème c'est que là je suis dans la merde moi. Vous avez fait une heure dans vos calculs les mecs. Bah du coup dans ces cas là... Je suis pas lourd. Hein. Bah du coup... Je suis rien. Ouais, t'as tes voleurs. Ouais, mais j'ai pas volé. Tu sais ce que je suis, moi? Mais non, bah non, Restemp avait l'air gentil, gros. Moi, non, il est voleur, il est voleur. Il a volé qui? Non, restez loin de moi, deux secondes, restez loin de moi, s'il vous plaît. Dalil, je suis là. Viens. J'ai besoin de gap, hein. Moi aussi, j'ai 4. Non, mais vous. donnez des gaps, pitié. Guillaume, t'es pas mort. Tu mens. Bah oui, je suis pas mort, oui. Mais j'ai absolument pas dit que j'étais mort, moi. Bah Fatou, dans sa tête, il a dit que t'étais mort. Bien sûr, mais c'est pas moi qui l'ai dit. T'inquiète pas. Les informations sont tous erronées. Mais non, elles sont pas juste erronées. C'est juste pour que s'il y a des loups qui m'entendent, ils veulent me focus. C'est tout. Et je pense que l'enfant sauvage n'est pas transformé et qu'on a. Non, l'enfant sauvage, c'est Chobax. Normal. Le penser quoi? Nanox, il est loup. Reste un voleur qui a volé un LGB. Il reste pas autant, il reste un loup. Un LGB. Un LGB et voleur. Et un enfant sauvage. Et le voleur. Bah voilà, c'est Guillaume, quoi. On a des raisons. Non, je veux juste vérifier un truc. En fait, vraiment, fais-moi confiance. Garde ton Guillaume, fais-moi confiance, vraiment. Je peux pas te faire confiance parce que tout le monde dit gros, ça en fait, c'est ça le problème. Gros, j'ai voulu te faire confiance, je t'ai pas attaqué, Guillaume. Vraiment, oui, mais ça c'est facile, gros, mais de dire non. Ça. Mais t'es quoi alors, gros? Je te fais pas confiance. Mais je suis pas méchant. Bah, jusqu'à ce que tu me le prouves, jusqu'à ce que tu me le prouves. Je te ferai pas confiance. Mais je peux pas te le prouver. Ah bah voilà. Ouais, mais bon, le problème c'est qu'on va jamais. En fait, personne bouge, donc le problème c'est que. Mais oui, mais tout le monde nous dit pareil, gros. Tout le monde nous dit pareil, gros. En vrai, Gap, je pense que Bichard est gentil, il aurait déjà attaqué. Il est gentil, franchement. Mais je te dis qu'il reste vraiment que Restump, Chobax et Nanox en méchant. Je pense vraiment que c'est ça. Mais non, parce genre, que Restump, il est voleur. Normal, il reste deux loups, gros. Bah oui, Chobax et Nanox. Plus l'enfant sauvage. Bah, il est peut-être pas transformé. Comment tu le sais s'il est transformé? Ouais, d'accord, mais dans ces cas-là, genre. Dans le pire des cas, si l'enfant sauvage est transformé, au total, il y a un LGB, un loup-garou, un enfant sauvage et le voleur. Ouais. On fait 4. Franchement, Vinny, si on perd à cause de ça, gros. Si on perd à cause de ça, gros. Tu peux m'en vouloir toute ta vie si on perd à cause de ça. J'aurais tout fait pour que tu meurs avec Dalil. Je pense vraiment, Guillaume. Vu comment. T'es enfant sauvage pas transformé ou SV du coup? Oui, voilà, je pense que c'est ça. C'est un 2. Et loup-garou blanc. Ouais, mais c'est qui ça cible du coup si c'est Bichard qui est enfant sauvage transformé? J'en ai deux. J'ai attaqué Bichard, il me dit fais-moi confiance gros depuis tout à l'heure. Il me dit fais-moi confiance, en fait, donc soit il est enfant sauvage, pas transformé et Gap USB. Depuis tout à l'heure, en gros, il y a Bichard et Gap qui se renvoient la balle, tu vois. Genre. Tout, mais ils font tout pour nous retourner le cerveau, genre vraiment. Ils font contre nous ouais. Ils disent quoi? Ils disent quoi exactement? En gros, que t'es pas ancien, que l'autre est pas Salva non plus, que t'as jamais été res par rapport à ta res, que c'est n'importe quoi. D'accord, Fatou. Ils t'ont jamais vu mourir. Ouais, je suis pas mort. Si on a dit ça, c'est pour que les loups nous entendent. En gros, c'était un test.
pour vérifier si vous allez m'attaquer de jeu. C'était un test, mais c'est un génie, mais il m'a compris direct. Ce qu'ils ont dit aussi, c'est que genre en mode, il y avait personne de leur groupe qui a dit qu'ils étaient anciens, tu vois, du coup, en mode, c'est possible que tu sois ancien. Ils te croient pas à 100% par contre. Mais après, c'est pas ça que moi, du coup, en fait, je doutais parce que vous nous avez dit que vous avez rési, après tu nous dis que vous avez plus, j'étais en mode, les gars, il fait genre. On était obligé de dire ça. On était obligé de dire ça. Il faut que vous les fightiez. On a plus de gap, gros. Hein. Nous, on a plus de gap en fait. Vas-y, go. Fightiez tous. Moi, j'ai 5 cœurs. Dis ça, venez. Mais bien sûr qu'on t'a attaqué. Pourquoi tu t'en vas, Gap? J'avais 5 gaps, c'est à cause de toi. Gap, dans 2 minutes, prends, je te passe le relais, frère. Il est sérieux, Gap là? T'as vu, t'entends ce qu'il a dit, frère? Là où vous avez fight, nous, on a. Du coup, on s'est fait fumer par un peu tout le monde parce qu'on était sur. C'est qu'un mec à 15 cœurs, un mec qui a peut-être résistance. Mais si Gap, il est pas le garou blanc, ça serait énorme. Peut-être. En fait, le truc, c'est là, il veut vraiment pas fight. Il est fou, il est stacké. Mais c'est groupe de 3, non? Ah non, c'est toujours groupe de 4. Faut vraiment qu'on reste ensemble par pitié. Et d'ailleurs, nouvelle hypothèse aussi que j'ai réfléchi, c'est que Chobax faisait tout pour me sauter et il m'a même dit la phrase, je sais pas si t'es loup-garou, mais je suis Nono dans le doute. Et du coup, s'il est vraiment enfant sauvage, s'il faut, il m'a mis comme modèle. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je voulais tuer Bichard parce que même s'il est enfant sauvage, gros, là, on va tuer des loups, il a forcément un modèle de ceux qui restent en fait. Donc ça veut dire que c'est. Ouais. Il va forcément se transformer, c'est pour ça que je voulais le tuer. Ça se trouve, il m'a mis moi. Mais en fait, le problème, c'est que tu veux absolument pas qu'on le tue, mais si on perd à cause de ça, gros, je te jure, j'ai le seum. En fait, je pense vraiment qu'il a mis. Je sais pas qu'il a mis un modèle, mais. Gap propose que genre Tatnux et Gap aille fight avec moi et Naughty, du coup, j'imagine. Attends une minute. C'est votre choix, vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Le truc, c'est que nous, on a pas non plus de gap en fait. On bah, nous non plus, gros. Il veut me mettre à la salva sur gap. Non, mais gros, le mets pas sur quelqu'un. Te force pas à le mettre sur quelqu'un, gros. T'es pas obligé de le mettre. En fait, j'hésite parce que je vais pas la mettre sur toi, ça sert à rien. Si gap il est LG blanc, gros, et qu'il a résistance, il a gagné. Franchement, ouais. Après, c'est un risque à prendre parce que là, on peut pas gagner contre le groupe de 3 sans. Juste en dessous là. Non, on a raison. On dit que c'est désormais mieux que Chovax prenne les votes. Eh ouais, mon pote. Manox, c'est qui le LG blanc? Je sais pas. Si tu donnes le LG blanc, on te lâche. Il va nous dire que c'est Gap juste pour l'attaque. Au pire, Nick, on y va tous. Hein. Go, venez. Go, allez, venez. Toi. Moi, je tente. Hein. Allez, vous venez? Les deux? Bon, allez, c'est bon. Moi, j'ai fait mon. Vous venez ou quoi? Les deux? On y va. Vous êtes. Oh merde, c'est quoi? Oh non, c'est lui. Non, il va faire. Pourquoi restons vous me saucez absolument moi? Moi qui pourrais avoir un loup? Putain, mais. Il y avait Restom qui. Donc maintenant, c'est à vous. À vous. Malheureusement, tout le village est mort. Il ne reste plus que Gap, Bichard, contre le voleur, un LG et un LGB. Le souci, c'est que moi, j'avais pas le choix que de fuir. J'avais forcément perdu contre Restump ici. Là, il avait pris l'avantage. Je ne pouvais pas le tuer dans un endroit clos comme ça. Et je pensais qu'il allait me suivre, d'où ma fuite. Mais du coup, très bien joué de sa part, parce qu'en m'écartant du fight, ils ont pu éliminer en quelques secondes tous les autres. La dernière chance, c'est qu'il faut que Gap et Bichard arrivent à tuer au moins les deux derniers loups. Peut-être que Restump a volé un villageois, donc il pourra nous aider. Et surtout, peut-être que Bichard s'est transformé. C'est ça qui me fait peur. Je n'y comprends plus rien de toute façon. Putain. Je savais qu'il y avait Restump. Il est sorti au milieu de nulle part. Je savais. C'est le seul qui peut me faire gâcher ma vie en fait. C'est le seul. Bon, maintenant il faut qu'il fight. Je veux voir ce qui va se passer. C'est fini. GG, putain. Let's go. Mais attends, mais voilà comment se termine la game la plus longue de LG qu'on ait pu faire. La game la plus difficile à comprendre, il y a eu tellement de brains de partout. Et finalement, nous avions bien raison sur les villageois. On n'arrivait juste pas à comprendre qui était quoi dans le groupe en face. On n'arrivait pas à attribuer un pseudo sur les loups, sur l'enfant sauvage. D'où l'embrouille générale et le fait que j'attaque un petit peu tout le monde. C'était très compliqué pour moi de suivre cette game, d'autant plus qu'elle a duré environ 3 heures, c'est énorme. 3 heures de réflexion, de brain, de fight, parfois serré aussi, pour au final enfin sortir vainqueur d'une game de LG intense comme ça. Niveau stratégie, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une game aussi chargée dans l'ensemble. Je veux dire, il y a plein de qui ont essayé de s'infiltrer au lieu de juste rusher dans le tas comme Nanox par exemple, et c'est en grande partie grâce à ça que la game était super intéressante. C'est qui ton modèle, Bichard? Ah ouais, c'est Guillaume. Yep. J'avais trop peur que tu sois LG blanc. Putain. J'avais. Mais déjà, de toute façon, j'avais compris ce qui s'était passé à partir du moment où on a compris que vous étiez safe parce qu'on peut pas le savoir avant. Bah, je savais qu'il y avait au moins 2 ou 3 méchants parmi nous. Non, mais en vrai, ils ont bien joué. En vrai, ils ont bien joué. Il y a eu une longue partie recherche et tout le monde accusait tout le monde. C'était génial comme partie. Et finalement, pour tous ceux qui disent tout le temps, oui, tu fuis tout le temps les fights, etc. Et ben sachez que là, j'ai bien fait de fuir le fight. Parce que si je n'avais pas fui au moment où Restump m'a attaqué, je serais mort avec tous les autres. Mais dans ce cas-là, Bichard lui se serait transformé et on aurait perdu la game. Bref, ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. J'espère vraiment que ce LG vous aura plu, même si tout le monde aura pas forcément tout compris, et moi non plus, je vous rassure. La vidéo était super longue, je sais, mais j'ai préféré laisser un max de temps de vidéo sans forcément faire 8000 cuts. Je trouve qu'on aurait perdu un peu du charme de cette game qui était magnifique en live, et c'est ce que j'ai essayé de retrouver dans cette vidéo. Donc si cette game et cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail en plus du reste, et je voulais vous sortir ça en bonus pour vous faire plaisir parce que voilà, je sais que Nezerebus, pas tout le monde aime ça. Donc voilà, en plus des records, une grosse vidéo comme ça. J'ai passé vraiment une journée entière dessus non-stop. Je suis quand même fier d'avoir réussi à tracer une vidéo d'un coup comme ça. Mais voilà, là je me suis donné, ça m'a demandé pas mal de motivation et de travail. Bref, je suis content et j'espère que vous aussi. Sur ce, c'est ici qu'on va se laisser. Comme d'habitude, si ces games vous plaisent, n'hésitez pas à venir les suivre en live sur Twitch. C'est tous les samedis ou dimanche soir les LG. Et puis rejoignez-moi également sur mes réseaux, Twitter, Insta pour les plus courants, ainsi que le Discord, puisqu'on est bientôt 20 000 sur le Discord, c'est énorme, merci beaucoup. Bon allez, je vous retiens pas plus longtemps, déjà que la vidéo était super longue. Merci à tous d'avoir suivi ce LG Insane. Et on se retrouve dans les prochains jours pour les prochaines vidéos. Il y en a quasiment tous les jours en ce moment, donc n'hésitez pas à regarder. Ou voilà, vous abonner comme j'ai dit, et même peut-être mettre la cloche, je l'ai quasiment jamais demandé, donc peut-être faut le faire une fois.
on a tué quasiment tous les deux games, on a tué qui? On a tué avant ça. On a tué Marco, Stitch. T'as un Nicker toi aussi? Ouais, ah t'as un Nicker. Il y a une résistance. Ah mais tu mens. Ouais d'ouf. Une résistance. Oh non.